Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour le 16e épisode sur Octopath Traveler 2. Et donc on va regarder la carte pour voir un peu ce qu'on va faire. Casting niveau 24, on va attendre un peu histoire de s'assurer une victoire plus facile avec des niveaux plus élevés. Il me semble qu'un hôtel, il y en avait un dans cette région là que j'ai raté. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à Flamme de Clergé. Puis on va visiter cette zone là éventuellement, mais on va retourner ici pour voir si l'hôtel je l'ai vraiment raté, et à ce moment là on va pouvoir débloquer une technique pour les prêtres. Donc c'est parti, sentier de flamme de clergé. Passage de terre. どうしようかしら。氷よ、決めつけなさい。立ち止まるわけにはいかない。 Voilà, on y est, et effectivement il y a l'hôtel. さて、イカズチを貫け。行くよ。頼もしいわ、ソローネ。イカズチを貫け。デボン。さて、はい。こちらの番だな。いや。 貴重な知見を得た。どうしようかしら。 行くぞ。さて、炎はプラン通りだ。よく狙え。プランを考えねば。炎は燃えろ。さあ、はい。行くよ。暗いな。任された、ソローネ。行くわよ。手加減なしよ。 Alors, ah, juste derrière cette porte. Lorsque deviendra le prêtre élu, il lui confiera un grand pouvoir. Ah, zut, j'ai pas Téménos dans mon équipe. Modifier le groupe.
même pas soigner quand ils sont à l'extérieur. Terminos. Place de qui? De Castille. Non, à place d'Osval, ne se quitte pas avec le bâton tous les deux. Équipe. Optimiser. Qu'est-ce qui est pas optimisé, toi? Alors, lui, il a quoi? Permet d'obtenir des informations de force. Et de jour. Ok, voilà. Donc, on retourne au temple. Bon, je vais vous passer le chemin. Alors, je vais de repartir l'enregistrement, mais bon, c'est maintenant ça a pris l'aptitude ex-prière revigorante. Donc, alors, voyons voir les aptitudes. Hop, et ça donne quoi? Régénère les PV d'un allié en ignorant ses PV maximum. Ça veut dire que tu peux soigner par-dessus le maximum, hein, ça c'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on va t'apprendre? Prière à la flamme. Et puis, tapis magique. Normalement, tu peux équiper une de soutien. Point accru. Hop, c'est. Et puis ici, qui d'autre qui peut apprendre? C'est elle qui peut apprendre pas vif. Et ça débloque jugement d'Aeber. La dernière technique de la classe. Et en plus de ça, tu débloques Vivre dans l'ombre. Attribué à n'importe quel personnage du groupe, cette thèse augmente l'XP et les PC gagnés à l'issue du combat s'il y a lieu pendant la nuit. Ah bah ok, c'est sympa. Donc ça c'est une des choses que je voulais faire. Maintenant on prend on va... Pas de lien ici? Ok. Va falloir que j'aille ici à Neo Delta, que j'aille vers le nord. Est, nord, qui re-est, ou au moins que... C'est un peu plus proche encore... Non. Il y a des lieux que je suis pas allé, que j'ai pas découvert. J'espère que c'est pas trop haut niveau non plus. Allez, ici sur le nord. Oups. Tu permettras de faire monter en niveau tranquillement tes menaces. Ah oui, j'ai plus l'érudit, donc là je découvre plus automatiquement les. Bon. Donc il y a un donjon. Niveau combien? Yes. さて、イカズチよ、今よ。任された。
C'est bien ça, c'est la lumière. Niveau 20, aqueduc abandonné. Ok, je vais voir qu'il y a un coffre là-haut aussi.私の番ね。斧一つでよし。ここからだ。よ。遅い。さてと。聖なる神よ。さて。悪い子につける薬はないの。あいにく。Niveau 10, niveau 10, déjà. Un écu tout seul. Bon, le but c'est de quitter la zone à droite. Et de voir s'il n'y avait pas une guilde. C'est bon. Kochira no bandana. Yare. Forcément, des fois l'affichage des résultats de bataille s'affiche super vite, et des fois non. Bon, comment on peut pour aller à droite? Asobo. さあ、行くわよ。行かずしよ。ここね。こちらの番だな。いいでしょう。マジックスティールロック。イエ。出番か。そう。私の番ね。やあ。いや。ここからだ。 Bravo! Ah mon dieu, oui oui, c'est par là. Village abandonné. Niveau 30, main vers le mont Lifia. Ok, bon. Bon, j'ai visité ce que je voulais voir. Au moins, on a visité la carte. Il n'y a pas de, de truc de guilde. Donc, on peut aller voir. On va faire le chapitre 2 de Temenos. Sinon, ça serait le chapitre ici, Sai Casti. Qui est de niveau 17. Vous voyez avec le plus bas, donc Temenos, puis après on reprendra Osvald dans le groupe. C'est vrai, j'avais quelque chose à faire ici. Temenos, chapitre 2. ビーデとの戦いに傷つき長い眠りについた。<笑>聖典の一節を送ってやろう。<笑>
全てはリーデ様の御心のまま。ここが水の都ハナルブライン。あの日事件直前まで教皇に会っていた人物、神学者ルーチ、彼の足跡をたどりここに行き着いた。彼は犯人についての鍵を握っているだろう。おい、来てみろ。いただくよ。いただくよ。いただくよ。これより先は封鎖とする。なんだよ、ちょっとくらいいいだろう。下がられよ。事件は聖堂機関が調査中である。穏やかじゃないですね。さて、状況を把握しなきゃ始まりませんね。何が起きているか少し周囲の話を聞いてみましょう。J'espère pas que cet incident ait eu lieu près de chez moi. Mais je vais demander pourquoi l'ordre sacré a bloqué tout le quartier. J'ai entendu dire que l'apothicaire du coin s'était fait assassiner. Je le connais assez bien, c'est vraiment horrible cette histoire. なるほど。町の高名な薬師が何者かによって殺されたらしい。教皇の事件との関連は。さて、貴様何を嗅ぎ回っている。おっと、見つかりましたか。私は異端審問。動くな不審者め。武器を隠し持っているな。拘束させてもらうぞ。強引な人たちですね。待ちなさい。その方は教会本部のテメノス審問官です。拘束の必要はありません。僕が保証します。聖堂騎士殿、これは失礼しました。クリック君、また会いましたね。君の移動先というのはこの町でしたか。はい、まさかテメノスさんも来られるとは。でも幸いでした。誤って捕まるところでしたね。テメノスさん、顔色が悪いようですが。不覚です。子羊君に狩りを作るとは。子羊、また恥ずかしい呼び方を。だが狩りは狩りです。覚えておきますよ。しかし君の移動先と同じとは、これはまるで運命なんて言わないでくださいよ。聖堂機関と私は同じ推測をした、そう言おうとしたのです。ふざけている場合じゃないですよ、クリック君。
テメノスさんも進学者ルーチを疑っているので。終わりの夜、彼の代表的な著書の題名です。夜という言葉が気にかかってね。やがて夜迫る。教皇が残したメモの一節にもありましたね。夜は神話では脅威や敵の暗喩に用いられる。教皇はルーチーを脅威と伝えようとしたとも取れます。それで聖堂機関は何か掴んだのですか？いいえ、何も。やれやれ、使えないカラスたちだ。テメノスさんは何か考えがあるんですか？ねえ、ありますよ。二つの事件の共通点は聖典だけではないようです。どういうことですか？先ほど町の人たちから興味深い話を聞けました。殺された薬師は数日前ある男と密会していたそうです。神学者ルーチーとね。なんとルーチーは教皇とも殺される直前に会っていました。つまり二つの事件への関与が疑われます。やはり彼が最重要参考人のようですね。さあご注目、踊り子ヘルメスの舞台を見逃すな。あんたも一枚買うかい。町一番の女神を拝めるぜ。衣装と同じ赤いチケットだ。生かすだろ。遠慮します、あいにく取り込んでまして。しけてやがるぜ。ご注目ご注目、こぞって酒場に集合だ。見逃すな。こんな一大事に。テメノスさん、神学者ルーチを訪ねましょう。一刻を争います。彼を止めなければ。少し気が進みませんね。何を悠長な。急がなければ手遅れになりますよ。確かに彼への疑いは強いが、何か引っかかる。しかし他に手がかりもなさそうだ。いいでしょう、神学者ルーチーの家へ向かいますよ。なるほど。やった。Déjà prise. Alors, je vais te voler. Itadaku. Luchi-san, oide desu ka?聖堂機関の者です。お話を伺わせてください。返事がありませんね。やはりかくなる上は力ずくでいきましょう。何をする気ですか、テメノスさん。いけませんよ、機関の許可が必要です。言ってる場合ですか。一刻を争うのでしょう。それはそうですが、
許可は後から取ればいい。君には剣があります。そんな。いや、燃えません。ブラボー、成長しましたね、クリック君。さ、お邪魔しましょうか。主よ、お許しください。これは神学者ルーチ。死んでいる本人に違いありません。彼は犯人ではなかったようですね。では誰が、うん、僕は応援を呼びに。待ちなさい、クリック君。聖堂機関が荒らす前に私たちでここを調べますよ。真犯人への手がかりを見つけましょう。この町か。カルディナ様、聖堂機関の長であるあなた様が出向かずとも。考えあってのことだ。行くぞ。失礼を。聖堂騎士団。聖典にも記された英雄たちがご登場とは。この事件、もしかしてでかいのかもな。オルトよ、状況に変わりはあるか。本部から異端審問官が来訪したそうです。ほう、噂に聞くテメノスか。あの犬め、鼻が利くようだな。構わん、野放しにしておけ。よろしいので。我々は主から授かりし使命を全うするのみ。いかがでしょうか、テメノスさん。せっかちですね、君は。ちょっと考えさせなさい。すみません。見覚えがあるぞ、これ、うん、真実は炎の中に。Le carnet de Lucienne。これはルーチーの手記。Ovastrie, région des terres sauvages. Je ne visite cette cité que pour une seule et unique raison, afin d'étudier le clan qui protège depuis toujours la flamme de ses lointaines contes. Durant mes recherches, j'ai découvert que tous avaient une chose en commun. En effet,Tous les descendants de cette famille abordaient sur leur peau le même tatouage étrange. Cette marque n'est pas sans ressemblance avec la vasque qui contient la flamme sacrée. Quant à sa signification, il me faudra plus de temps et de recherche pour la comprendre. Une autre chose que j'ai comprise lors de mon séjour ici. Bientôt, la nuit tombera.Il s'agit de leur devise.
Je dois à tout prix relayer ces mots au pontife. 興味深い内容だが、今回の事件に関係する内容かはまだわからないな。Le livre de prière。これは神々への祈りを捧げる際の手引き書か。Si vous voulez que votre voix atteigne les dieux, veillez à respecter le bon ordre lors de vos prières. Le marchand émérite, le prince des voleurs, la chasseresse, la lame foudroyante, la grâce incarnée, le roi érudit, Charita. Et en dernier lieu, adressez vos prières au porte-flamme. 5, 6, 7.Il y a juste 7 classes qui sont données. Le marchand, le voleur, la chasseresse, la lame foudroyante, je vois pas trop c'est qui. La grâce incarnée, ça peut être le prêtre. L'érudit, c'est le dit. Le charitable. Il y a la lame foudroyante et le charitable que je vois pas c'est qui.この順番邪神ビーデとの戦いで倒れていった神々の伝承と一致する、うん、L'ordre des prières。さあ祈りを捧げよう。正しく祈れば祝福を。逆をたどれば呪いを賜るであろう。これはもしや今回殺された3人に関係するのか？第一の標的は教皇、すなわち聖火神エルフリック。次は薬師、これは霊薬庫ドータ。そして学者であるルーチー、赤学王アレファン。これが連続した一連の事件で祈りの順序を逆にたどっているとすれば、犯人の次の目標は舞踏機シルティージ、踊り子か。エルメス、アタベーン。なるほどなるほど。お帰りなさい、テメノスさん。犯人の次の標的が分かりましたよ。え、本当ですか？クリック君、この町に有名な踊り子はいますか？踊り子ですか？そういえばさっきチケットを売ってましたよね。確かヘルメスという踊り子の舞台が酒場であるとかなんとかって。そうか、いや、よく覚えてましたね。テメノさん、どこへ？急ぎますよ、クリック君。犯人はきっとその酒場に現れます。Ok, bon, avant de progresser dans cette intrigue, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Alors j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu es déjà abonné, je t'en remercie.
N'hésite pas à cocher la cloche pour ne rien manquer, mettre un commentaire et partager la chaîne avec tes amis. Quant à moi, je te dis à vos prochaines aventures. Ciao. Bye bye.